Nous le savons tous, notre pays traverse une terrible crise démocratique. Face à elle, et après mûre réflexion, j'ai décidé, moi, Danick Ligula, de vous présenter officiellement ma candidature à la plus haute fonction de ce pays, la France. Ce n'est pas par ambition personnelle, je n'ai jamais voulu devenir un homme politique. Oh non! Je suis même depuis toujours pour la disparition de la classe politique telle qu'elle existe. C'est à contre-cœur que je me présente. Mais pouvez-vous compter sur les politiques pour mettre en place des mesures comme le non-cumul des mandats, pour parler des conflits d'intérêts ou même des vrais problèmes que pose la professionnalisation de la vie politique? Oh non! C'est pourquoi ma candidature est, je te le donne en mille, nécessaire. Certes, je n'ai pas la chance, comme Jean-Luc Mélenchon, de lancer ma candidature aux 20h de TF1. Mais j'ai la chance d'avoir ma propre chaîne internet. Et votre soutien que je sais infaillible. Personne, absolument personne, oh non, n'a envie de voir un second tour Juppé Hollande. Oh non. La popularité étonnante d'Emmanuel Macron souligne un fait, lui, assez évident. Les Français souhaitent un renouvellement total de la classe politique. À chaque nouvelle tête, ils s'emballent et rêvent alors de voir les dinosaures enfin partir à Jurassic Park. En effet, 78% des Français se disent prêts à voter pour un candidat qui n'est ni issu, ni soutenu par un parti. 74% des Français ont des idées négatives sur les partis politiques. 22% expriment de l'indifférence. Et, tenez-vous bien, 4% seulement des idées positives. Eh oui! Voilà pourquoi moi, Danny Caligula, j'ai toutes les chances de mon côté. C'est bon, tu l'as. Voilà pourquoi je pense que je peux incarner le changement et faire l'histoire avec un grand H. Voilà pourquoi je pense que je peux être à la hauteur de ce pseudo de Caligula, avec un grand C, que je me suis donné il y a fort longtemps. En utilisant le mot dièse, Dany 2017, nous pouvons... Non merde. Nous pouvons lancer ensemble ma campagne en utilisant la puissance du buzz sur l'internet. Je compte sur vous, pour faire souffler avec moi le vent d'un changement qu'on nous a trop souvent promis et montrer qu'ensemble, tout est faisable et que le changement, c'est possible. Yes, we can! Merci de m'avoir écouté.